Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, ce qui devait arriver est arrivé. J'ai été censuré. J'ai été censuré par TF1. Par TF1. Donc j'ai du coup mis mes lunettes fuck et ma casquette fuck. Parce que je suis déçu. Je suis déçu parce que j'avais mis en avant cette chaîne qui est incontestablement en perte de vitesse par rapport aux nouvelles technologies, aux nouvelles générations. Et j'avais fait une petite vidéo sur une émission qu'ils diffusent tous les jours qui s'appelle 4 mariages pour une lune de miel. J'avais analysé en fait le résumé du vendredi en y donnant mon avis, donc comme j'ai dit mon analyse, avec un peu d'humour, avec un petit peu de piquant aussi de temps en temps par rapport à certaines candidates qui étaient vraiment de mauvaise foi et méchantes. Je pense pas avoir fait de l'ombre à TF1. Hein. Et pourtant, j'ai reçu ce message. Alors attendez. J'ai reçu ce message, là. Donc comme d'hab, je vous montre ça. Je vais me mettre moi ici tout petit, parce que je suis tout petit. Hein. Je vais me mettre là. Voilà. Suite à une réclamation pour atteindre aux droits d'auteur, votre vidéo a été bloquée dans certains pays. Attention, certains pays, c'est pas n'importe lesquels quand même. Par conséquent, elle est toujours disponible sur YouTube, mais il se peut que les internautes de certains pays ne puissent pas la regarder. Bon, je me suis dit, bon, à la limite, si c'est, je sais pas, les Africains, les Allemands, les Italiens, les Portugais, on s'en fout. Moi, c'est une vidéo française, faite pour être écoutée. Donc par des Français, je vois pas l'intérêt pour un étranger de tomber sur ma vidéo et se dire, tiens, je vais regarder, il y a aucun intérêt pour eux. Donc du coup, c'était pas très grave, ça m'est déjà arrivé plein de fois, mais quand on regarde ici... oui, ici, là, voilà. Donc, il y a la France. Donc, déjà, c'est embêtant dès le départ. Les Français peuvent pas lire ma vidéo. La Guyane française, ici. La Polynésie française. Bon, ça, je sais pas. Les territoires du sud, machin. La Guadeloupe et Saint-Martin. Donc, autant dire qu'il n'y a pas grand monde qui peut la regarder. Et ceux qui peuvent la regarder n'ont vraiment aucun intérêt à visionner cette vidéo. Donc, du coup... Donc pour le coup, ça n'a aucun intérêt. Pardon. Je vais me remettre ma tronche en grand, il n'y a pas de raison. Oh là là, pas si grand. Voilà, donc moi ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que c'est quand même... on sait que TF1, mais la télévision en elle-même, enfin en règle générale, est en perte de vitesse par rapport aux nouvelles générations, qui, eux, veulent des programmes tout de suite, sans attendre. Donc ils ont pour ça... ils ont Netflix, ils ont YouTube, ils ont les replays... Et en plus, ils ne veulent pas de publicité. Donc je me suis dit, apporter un peu de TF1, peut-être pour des jeunes internautes, ils vont se dire, tiens, ça peut être intéressant de regarder cette émission. Je ne l'ai vraiment pas fait pour dénigrer l'émission. J'avais même dit que justement, c'était la plus intéressante en termes de presque télé-réalité par rapport à toutes ces merdes que nous servent NRJ12 et W9 à longueur de journée. Et que les seules marques qui aujourd'hui font que la chaîne existe toujours et tienne le coup, ce sont des émissions comme The Voice, Koh-Lanta, etc. Et même là, dans les chiffres, on voit que ça baisse. Donc, merde! Si un média comme YouTube vous fait peur, alors que vous auriez dû plutôt vous accaparer ce système-là pour encore survivre, parce que là, aujourd'hui, ce sont des chaînes qui survivent. Ce sont des gens de ma génération qui regardent encore la télévision. Même si, effectivement, moi, depuis, je redis Netflix et YouTube... J'en avais déjà parlé une fois sur ma console, donc aujourd'hui j'ai YouTube sur ma console, ce qui me permet d'avoir YouTube sur ma télévision 16/9 machin dans le salon. J'ai plus besoin d'avoir le téléphone en tout petit ou sur le PC. Bah, je ne regarde plus beaucoup la télévision. Même les informations, qui est quand même un truc sacré aujourd'hui, on n'a plus besoin de TF1 à 13h ou à 20h pour avoir les infos, on les a tout le temps. Il y a même des chaînes d'infos en permanence, donc voilà. Merde, TF1, dommage. Ouais. C'est pas que je suis déçu, enfin si je suis déçu parce que TF1 ça a quand même été, moi j'ai grandi avec, tout comme, enfin il y avait France 2, etc. Mais TF1 avec M6 c'était des chaînes un peu originales, moi sur TF1 il y avait Club Dorothée, quand j'étais gamin, plus tard il y a eu Ciel Montmardi avec des Chavannes, les Coucou C'est Nous, etc. C'est une chaîne, je veux pas dire que je la vénérais, mais je la respectais. Et aujourd'hui, notamment à cause de ça, mais aussi pour plein de choses, moi qui avais envie un petit peu de la défendre et un de leurs programmes que je trouvais moi sympa. Mais dans tout ce bordel, n'oubliez pas, j'en parle pas souvent, voire pas du tout, mais là je vous le dis, j'ai une autre chaîne, une chaîne secondaire, dans laquelle je joue à de vieux jeux sur Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo 64, et bientôt encore d'autres consoles qui vont venir. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir la vidéo et surtout de vous abonner. Donc voilà.
petite vidéo comme ça, un petit coup de gueule, un peu, j'allais dire abattu, mais non, je suis pas abattu du tout. C'est juste que je trouvais sympa de temps en temps pouvoir faire un résumé justement de cette émission, rigoler avec ça, il y avait des trucs marrants, je me suis marré à la critiquer, enfin à la regarder, à la critiquer, et après à faire le montage, j'avais fait des trucs super sympas. Et voilà, tout ça s'est mis à la poubelle. Donc je répète, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne secondaire YouTube sur le rétro gaming, likez, abonnez-vous, prenez soin de vous, arrêtez de regarder TF1 et la télévision en règle générale. Allez, la bise.